Je suis pas démaquillée, j'en prends depuis 2 jours quoi. Les amis, c'est lundi. C'est dimanche. Et je m'en vais. Oui. J'ai une prestation, un spectacle. Et donc toute la journée là. Ouais, et donc toute la journée, moi je reste ici avec Elena et il y a mes parents qui viennent. Donc on va passer la journée ensemble. À tout à l'heure. Voilà. Avant que mes parents arrivent, je voulais quand même vous dire un petit mot parce que je pense que je vais pas trop prendre la caméra quand ils seront là, bien évidemment. Comme vous le savez, donc je voulais vous dire que ça fait quelques nuits, enfin quelques matins qu'Elena se lève plus tôt que d'habitude. Et là ce matin elle est arrivée, en fait je me suis réveillée à 7h30 et je sais qu'à partir de 7h30 elle commence à être réveillée. Et malheureusement j'avais trop envie de faire pipi pour ne pas y aller, donc j'y suis allée même si j'ai fait le plus doucement possible du monde. Je pense qu'elle a dû entendre la porte s'ouvrir. Et du coup même pas 10 minutes après elle nous a rejoint dans la chambre. Et cette fois ce que j'ai fait c'est que je l'ai portée direct, je l'ai mise à côté de moi, je l'ai mise dans le creux de mon bras et elle a dormi pendant 3/4 d'heure. Voilà, donc elle a terminé sa nuit en fait avec moi. Elle était dans le lit mais pas entre nous deux, elle était vraiment au bord contre moi. Donc du coup bien évidemment moi je n'ai pas dormi parce que vous imaginez bien que j'avais très peur qu'elle tombe. Donc elle était vraiment blottie contre moi comme ça et elle a très bien dormi. Donc je pense qu'en fait ce qu'elle recherche quand elle commence à se réveiller c'est voilà, elle commence à chercher les câlins de ses parents. Voilà. Mais bon, quelque part je trouve ça tellement mignon que voilà, ça me dérange pas. T'es contente, on va voir papy et mamie aujourd'hui? Tu vas voir papy aujourd'hui et mamie. Ouais? Non, tu t'en fiches, tu joues avec ton peigne. Bon, allez, va jouer. Papy. Aïe. Ah, papy, il est déjà parti, hein. Les amis, la journée est presque terminée. Il est 18h30. Donc oui, ça a été une journée express, hein. Vous m'avez vu, c'était le matin. Vous me voyez, c'est le soir. Donc mes parents sont venus, on a passé la journée ensemble comme c'était prévu, c'était super sympa, on a bien mangé, c'était repas créole, voilà, maman elle a fait une petite panna cotta bio, enfin c'est une préparation pour panna cotta en fait, t'as juste à rajouter la crème, ensuite par dessus avec une petite, un petit sirop, et du coup ça, Elena, elle est en train de faire une bêtise derrière là comme vous pouvez le voir, Elena, arrête un peu les bêtises. Tu n'as pas le droit de toucher à ça. Tu veux jouer avec ton puzzle? Attends, je vais te le donner. Toujours cadré, je ne sais pas comment je fais. Hop, tiens, regarde, je vais avec le puzzle. Et tu vas retrouver le petit cochon parce que je ne comprends pas où est-ce qu'il est. Elle a un petit puzzle. C'est Christelle qui lui a offert. Enfin, pardon, c'est le Père Noël. Et du coup, oh, t'as failli tomber, fais attention. Heureusement que maman est là. Donc je disais que... Oui, elle a fait une petite panna cotta. C'est des préparations déjà toutes faites en fait, t'as la poudre avec déjà le sucre et tout ce qu'il faut dedans, la pectine et compagnie. Et oh, tu jettes pas les choses comme ça, doucement. Mon enfant est très très brutal. Et donc je pense que je vais regarder sur Greenway s'ils en vendent. Parce qu'ils ont acheté ça en magasin bio, donc comme nous on commande tous nos produits bio sur Greenwiz, je vais regarder s'ils en vendent. S'ils en vendent, je vais bien sûr en commander et ensuite on en fera et on vous dira ce qu'on en pense. Parce que je sais pas, ça m'a, franchement c'était délicieux. Donc on s'est régalé, Elena a mangé aussi avec nous. Et puis elle a rechigné un petit peu à faire la sieste. Parce que quand papy est là, c'est papy, papy, papy. Elle est vraiment folle de son papy. Donc du coup, elle avait un peu de mal à aller faire la sieste. Finalement, elle y est allée quand même. Elle a réussi à se laisser faire. Je l'ai mise au lit. Elle a dormi 2h30. On a pris un petit goûter. Et mes parents sont partis. Et maintenant, on attend papa qui va bientôt rentrer. Voilà, je pense d'ici 10 minutes, il va être de retour. Donc voilà, j'ai quand même assez hâte qu'il rentre. Je pense que Elena aussi. Hein, t'as hâte de revoir papa ? Elle s'en fout un peu. Moi, j'ai hâte de retrouver mon mari, en tout cas. J'en ai trouvé. C'est ça. Voilà. Je crois que c'est ça qu'ils ont pris. Ça coûte que 1,59€ et c'est pour 6 personnes. Voilà. C'est bio. Et je crois que c'est vegan en plus. Donc, ouais. Je pense que je vais m'en commander. Hey, rebonjour. Il est rentré. C'est déjà la nuit. Ouais. Alors, je tiens à vous dire que entre donc ce matin, quand je suis parti, et donc là, tout de suite maintenant, donc Bibou a filmé des choses. Hein, d'accord ? Ok, on verra au montage, parce que là j'ai demandé, t'as filmé combien de temps à peu près? Elle me dit, oh, 3-4 minutes. Oui. Donc on verra au montage, tout de suite maintenant. Si t'as filmé 3-4 minutes, je ne mettrai rien. Si t'as filmé plus que ça, je mettrai un petit texte qui s'affichera ici. Non, je pense que j'ai filmé 3-4 minutes, je pense pas avoir parlé plus que ça, honnêtement. Là ma princesse,
Ça va? Attention à la tête. Oui, ça va? Ah bah oui, tu t'es cogné. Ah, tu t'es cogné la tête. Mais c'est pas grave, ça fait pas mal, ça fait pas bobo. Regardez ce qu'on a reçu, on a acheté ça sur Amazon. Non, 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 alors je veux parler de ça. Dis-moi, ah. Je veux en parler. Quand on était chez Christelle pour le jour de l'an, Christelle Make-up, on a fait une purée de patates douces pommes de terre. Et c'est moi qui l'ai pressée. Oh, tu m'as pincé, tu m'as fait mal. Léna, fais attention à toi quand même. Et donc j'ai pressé la purée avec ça. Donc tchic, dans l'enfant. Le truc. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc de suite je leur ai demandé, vous l'avez acheté où? C'est super bien ce truc. Et en fait il est dispo sur Amazon et, donc, ah mais il faut dire aussi que j'ai fait plein Auchan, Carrefour, ouais. Leclerc, tous les magasins. Impossible de le trouver. Ça, c'est un truc qui coûte 5 euros. Hein. Ouais. C'est en silicone. On l'a trouvé que rond, sur Amazon. C'est rond, donc du coup, vous voyez comment c'est. Ça permet de, du coup de le faire bien. Tu peux racler ta casserole sans la rayer. Mais c'est un presse-purée. Là, t'es en train de vendre un presse-purée comme si tu vendais une Lamborghini. Non, mais il est super. Enfin, je suis trop. Vraiment, je suis ravie de l'avoir reçu. Moi, tout et... ça pour dire qu'il était introuvable et qu'on l'a trouvé que ouais, sur Internet. Et que je suis trop contente de l'avoir reçu. Et que. Qu'est-ce que j'allais dire? Et que maintenant, il faut que tu me rachètes des pommes de terre et des patates douces pour. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai mis un doigt dans l'œil. Oh. Ça va, fille? Ça a pas l'air de la déranger. Elle a l'œil qui rougeait un peu. Non, ça va? Ah oh bah elle grasse son œil maintenant. Non, c'était l'autre, j'ai touché l'autre. Oh bon. Et donc du coup c'est... Je rachèterai plein de patates, voilà. On fera de la purée tout le temps. Ouais, mais pas que de la pomme de terre, parce que moi j'aime bien les mélanges. Pomme de terre, chou-fleur... Il y en a une qui a besoin d'attention là, elle regarde. Elle a besoin de sa maman. Viens, viens. Regarde. Hein? Elle me cherche beaucoup en ce moment. Apparemment elle dit beaucoup, elle a dit beaucoup plusieurs fois maman aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Donc le maman commence à être... Acquis. Ouais. Bah, elle l'avait déjà acquis, mais elle voulait pas le dire. Elle voulait pas, et maintenant elle sait que quand elle le dit, je suis encore plus là, donc du coup elle le dit plus. Ah oui. Ses cheveux sont beaux, hein. Vous avez vu ça, comme ils sont beaux ses cheveux. Ouais, une belle coiffure. Incroyable, hein. Je préfère quand t'avais coiffé comme ça qu'avec tes couettes pourries là. Moi j'adore mes petites couettes. J'ai horreur des couettes, non aux couettes. Je dirais même et les couettes. Vous êtes nombreuses à me dire parce que les couettes aussi ça abîme les cheveux. Couettes, oui, non, mais tu peux ne pas les abîmer. Mais non, moi, les élastiques ça abîme les cheveux. Moi je le fais très lâche donc du coup ça glisse tout seul tout le temps. Arrêtez les filles avec vos couettes là. Laisse comme ça tout le temps. Là c'est naturel, ok? Bibou elles sont fous, elles m'écoutent pas. Non. Elle veut faire ses couettes absolument. Mais vous êtes pareil, vous. Là. Tu donnes un bout de biscotte à papa? Ah, ouais. Non, non. Non. Non, elle veut pas. Elle veut que je mange. Oh. Oh non, 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 non. Je t'ai attaqué par une biscotte. Elle en a dans l'œil. Les amis, en pleine contraction, nous vous disons qu'ici s'achève ce vlog. C'est une douleur intense que nous les hommes ne connaissons pas. Pas comme pendant le travail, mais ça commence à faire mal. On connaît pas nous ça les hommes. On connaît pas. Mais vaut mieux pas. Vous ne pourriez pas supporter. On serait mort. C'est pour ça que vous êtes des hommes et nous des femmes. On mourrait à chaque contraction évidemment. Bon, les amis, on vous laisse. Nous allons continuer notre petite série. En ce moment, on regarde Banshee. Je sais pas si on vous l'a dit. Très, très bonne série. Bon, on en parlera. Et merci d'avoir regardé ce vlog. Oui. En compagnie de Bibou, qui vous a tenu compagnie aujourd'hui. Pas très longtemps. 4 minutes, je crois. Ouais, d'après ce que t'as dit. 3 ou 4 minutes. Ouais. Donc 3 minutes 30. On verra au montage. À demain, les amis. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ah, et au fait, Elena va bien. Le bout de biscotte ne l'a pas tué, ne l'a pas défiguré et ne l'a pas éborgné. Voilà. Tout va bien, ne vous en faites pas.